de la loi numéro 16-008 du 15 juillet 2016, modifiant et complétant la loi numéro 87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille. Monsieur Kaloumé, mademoiselle Toubaya, vous êtes les plus concernés. Caractère général du mariage. Le mariage est l'acte civil, public et solennel, par lequel un homme et une femme, qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre, dans les liens d'un précédent mariage enregistré, établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, des effets et la dissolution sont déterminées par la présente loi. But du mariage. 349. Le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble. Le deuxième jour du mois d'avril, devant nous, Franck Maoula Kafiotou, officier de l'état civil et bourgmestre de la commune de Manika Kolwezi, province du Lualaba, République démocratique du Congo. En comparaison aux séances publiques, le nommé Kaloumé Kilouba Jonathan, né à Katoka le 22e jour du mois de septembre, l'an 1995, fils major d'âge légitime de M. Katoumbé Alexis et de Mme Kabezia Fatouma, état civil célibataire, profession agent KCC de nationalité congolaise, résident en République démocratique du Congo au numéro 24 de l'avenue Tamwekawel, quartier industriel de la commune de Manika à Kolwezi. Et mademoiselle Toubaya Banza Christelle, née à Kolwezi, le 16e jour du mois d'août, l'an 1997, fille major d'âge légitime de M. Toubaya Soumaïli et de Mme Banza Chantal, état civil, célibataire, profession commerçante, de nationalité congolaise, résident en République démocratique du Congo, au numéro 2745 de l'avenue du Trafic, quartier Biachara, dans la commune de Dirala à Kolwezi, lequel nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont nous avons publié le projet conformément aux prescriptions de l'article 370 du Code de la famille par une proclamation faite sur la place publique le 19e jour du mois de mars, l'an 2022, et par une affiche apposée à la porte de notre demeure le même jour, moi encore dessus, et nous ont produit à cet effet. Pour de futurs époux, une attestation de naissance, une attestation de célibat, une attestation de résidence et un certificat de bonne conduite, vie, mœurs et civisme, délivré à Kolwezi par l'officier de l'état civil et bourgmestre de la commune de Manika, même jour, moi encore dessus. Et pour la future épouse, même document que son futur conjoint. Ils ont droit à leur réquisition après avoir donné lecture aux futurs époux et à la future épouse de pièces relatives à leur état et les avoir instruits de droits et de devoirs respectifs des époux, leur avant demandé s'ils veulent se prendre pour mari et femme, chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, prononçant qu'ils sont unis légalement par le mariage sous le régime matrimonial communauté universelle de biens. En foi de ce qui précède, nous avons dressé le présent acte en présence de M. Loukou Kongo Bernard, âgé de 42 ans, profession agent KCC, domicilié au numéro 2633 de l'avenue Kabongo, quartier Biachara, dans la commune de Dilala, Kolwezi. Et Madame Kaloumou Nathalie, âgée de 35 ans, profession ménagère, domicilié à la même adresse que son conjoint. Et après que connaissance en ait été donnée aux parties, aux témoins, l'avons signé avec eux.
Monsieur Kaloumi Kilouba Jonathan, Mademoiselle Toubaya Banza Christine, nous allons vous remettre cet acte de mariage qui est l'acte authentique, qui vous permettra de faire valoir vos droits en tant que mari et femme. Mademoiselle, nous vous demandons de garder jalousement cet acte, il va vous servir à plusieurs égards. Vous aurez à le produire chaque fois que besoin se fera sentir. Aussi, vous aurez à l'opposer à quiconque se prétendrait être l'épouse de Monsieur Kaloumi Kilouba Jonathan, car la loi de notre pays vous reconnaît comme étant sa seule et unique épouse. Alors, en vertu de pouvoir qui me sont conférés par l'État congolais, je vous